ما مسمت في مغناك وتسامت الأخلاق في مرآك ومضى العفاف يبث فيك أريجه حتى انتشت طياتك ورباك. نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. L'internet, je crois que tous au moins avaient déjà eu l'occasion de visiter cet outil. Je crois que personne dans cette surtout je vois qu'il y a beaucoup de jeunes. Donc je crois que tout le monde sait, quand on parle d'Internet, de quoi il s'agit. Et l'Internet, c'est un immense bienfait créé par, inventé par l'être humain. Effectivement, il permet, je crois vous-même, s'il est bien utilisé, il permet de faire des choses fantastiques, formidables, de gagner énormément de temps, d'apprendre énormément de choses. Imaginez-vous avant, peut-être à l'époque de vos études, vos années primaires, ceux qui ont peut-être plus de 25, dans la trentaine, etc. Parfois, on devait ramener de la documentation, par exemple. Vous vous souvenez, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait aller à la bibliothèque ou acheter des images de documentation pour découper tout ça et les coller sur des feuilles et les ramener au cours. Aujourd'hui, avec Internet, quelques clics et vous avez une multitude d'informations à votre disposition en quelques secondes. Même chose pour nous en tant que musulmans, pour ce qui est des livres, du savoir. Il y a des trésors sur le net, avec de nouveau en quelques clics, vous pouvez accéder à une encyclopédie, des milliers de livres du patrimoine islamique qui auparavant vous n'avez pas d'autre choix que de les acheter dans leur version papier. Non seulement ça coûtait très très cher, en plus de ça pour les gens qui habitent, par exemple encore, nous qui sommes concernés dans des pays où il n'y avait pas beaucoup de livres, en arabe par exemple, c'était très difficile d'accéder à ces livres. Maintenant, en quelques clics, vous avez un accès immédiat. Donc, c'est un outil vraiment formidable, un trésor. Mais bien sûr, comme on va en parler tout à l'heure, c'est la même chose, comme ça a été la radio, ça a été la télévision également est concernée, le portable, le téléphone portable, ce qu'on appelle le GSM, ce sont des armes à double tranchant. S'ils sont utilisés à bon escient, on en retire énormément d'avantages. Par contre, s'ils sont utilisés à mauvais escient, ben, vous savez également les catastrophes qu'ils peuvent engendrer. Et même dans en tant que musulmans qui voulons gagner du temps pour l'utiliser dans des œuvres utiles, dans l'adoration, dans la lecture, dans l'apprentissage ou autre, l'Internet est un outil aussi qui permet de gagner énormément de temps dans les procédures, les démarches administratives ou autres. Avant, vous deviez chaque fois vous rendre dans les locaux, par exemple, soit aller à la commune, la préfecture, etc., pour avoir des papiers. Maintenant, en un simple clic, vous imprimez ça chez vous. Donc, ça permet également, même chose pour avoir des renseignements sur les heures d'ouverture des commerces, etc. Donc, ça fait gagner énormément de temps, éviter parfois de se déplacer pour rien. Donc, à ce niveau-là également, le gain du temps est considérable avec le net. Maintenant, bien sûr, il y a deux écueils à éviter, deux obstacles à contourner. Premièrement, le larcène. Et ensuite, les deux autres, c'est bien sûr les sites interdits, qu'il est interdit aux musulmans de consulter. Bien sûr, je parlerai ici des sites, surtout ce qui concerne le plus de gens, les sites à caractère érotique, pornographique. Et même et je vais m'attarder un peu plus là-dessus parce que je crois que la première partie, je crois qu'aucun musulman n'ignore le caractère interdit, prohibé de ce genre de site, mais c'est plus une question ensuite de trouver les moyens qui peuvent assister la personne et l'aider à combattre
cette tentation et à y résister. Et ça, je crois que les frères qui m'ont précédé en ont sûrement déjà traité en long et en large. Donc, à l'intérieur même des sites islamiques, bien sûr, il y a à boire et à manger. Tout, comme on dit, tout ce qui brille n'est pas or. Donc également, dans ces sites-là, il faut faire attention où on met les pieds. Il y a parfois, bien sûr, des sites qui contiennent beaucoup d'imprécisions, voire même plus graves, d'égarements, donc qui peuvent faire dévier la personne, carrément si il n'a pas de, surtout une personne ignorante qui n'a pas, qui n'est pas prémunie, pardon, contre ce genre de doute, d'arguments fallacieux qui s'y trouvent. Ensuite, donc, on a dit l'utiliser, une bonne utilisation, une utilisation correcte, convenable de cet outil qui est l'Internet. Quand je vais donc surfer sur un site, il faut d'abord que je m'assure que ce site est un site de qualité, que les informations qu'il renferme sont des informations de qualité. Alors vous allez me dire comment faire? Ben, il y a plusieurs moyens. Déjà, l'idéal, c'est de demander conseil aux gens qui ont l'expérience, la connaissance, et en général, vous avez certains forums ou certains sites qui sont de confiance et qui conseillent, par exemple, qui renvoient à certains sites de confiance. Ensuite, il y a des sites, et d'ailleurs, c'est la plupart des sites, je dirais, où il y a bien sûr des choses très bonnes et d'autres qui peuvent être un peu moins bonnes. Donc, tout n'est pas à jeter. Tout n'est pas non plus à prendre les yeux fermés. Il y a des choses qui sont plus valables et de meilleure qualité que d'autres. Surtout voir si ce site est rédigé par et fait par des gens qui sont compétents ou qui utilisent des sources, des références de qualité, de confiance. Donc ça, c'est le premier pas à faire. Voir ce site sur lequel je vais, est-ce que c'est un site non seulement qui est fait par des gens compétents, des gens qui ont des références correctes, et ensuite même, est-ce qu'ils sont compétents, est-ce que c'est un site dans la qualité de la rédaction, etc. La qualité des articles, ou bien de la traduction, lorsqu'ils traduisent. Mais avant cela même, il faut éviter un autre écueil, qui est le fait de ne pas non plus aller sur Internet, je dirais perdre son temps. Pour le plaisir de surfer. Je vais un peu là, je passe d'un site à un autre. Voilà, je vais passer 2-3 heures parce que les heures passent très vite, comme vous avez pu le réaliser sur le net, ça passe très très vite. Donc, voilà. Donc, on entend, là. Donc, lorsque je vais sur le net, la première démarche à faire, la première question que je dois me poser, c'est est-ce que c'est vraiment utile? Est-ce que j'ai un objectif bien défini? Qu'est-ce que je recherche? Sinon, en général, il vaut mieux, ne vaut-il pas mieux parfois avoir un bon livre dont on est sûr et le lire? Donc la première question à se poser, qu'est-ce que je recherche sur Internet? Est-ce que j'ai un objectif bien défini? Est-ce que je vais tirer un certain profit du temps que je vais passer sur le net? Donc ça, on va le voir également. Premièrement, se poser cette question avant de surfer et également se fixer un objectif bien défini. Je vais aller sur ce site, par exemple, prendre telle information, je recherche telle ou telle information pendant X temps pour éviter de commencer à surfer puis que les heures passent et pour finir, quand on en sort, qu'est-ce qu'on a récolté? Quelques bribes d'informations à gauche et à droite, mais rien de vraiment constructif, de vraiment solide. Également, ce qui est très répandu aujourd'hui sur le net, ce sont les forums. Les forums, c'est aussi un outil fantastique. Parce que, et ici, ça c'est une constante, c'est que le net est beaucoup, beaucoup plus utile pour les arabophones que pour surtout pour les francophones. Peut-être les anglophones, il y a beaucoup plus d'informations aussi, mais pour l'arabe, en tout cas, c'est quelque chose de fantastique. J'espère maintenant que ça vous motive, ça vous stimule pour apprendre l'arabe, parce
Parce que pour l'arabe, c'est vraiment, l'Internet est un outil fantastique. Les forums, par exemple, vous avez des forums dans lesquels participent des gens très très compétents, et vous pouvez, par exemple, faire des recherches avec eux, ils vous aident dans vos recherches, ils vous aiguillent, ils vous orientent, ils répondent à vos questions, etc. Il y a vraiment, c'est fantastique. Je pense à des sites comme, par exemple, Multaqa al-Hadith, ou pour la langue arabe, al-Fasih, ou al-Luka. Ce sont tous des forums où participent tous des gens de très très compétents et des gens de science. Donc là, c'est vraiment des outils formidables. Vous cherchez quelque chose, une information et tout, en général, vous allez trouver une réponse qui vous convient. Pour le français, bien sûr, il y a des forums où il y a, comme on dit, à boire et à manger. Et c'est là-dessus que je voudrais attirer l'attention. Lorsque je m'inscris, par exemple, sur un forum, de nouveau, quel est mon objectif? Et surtout, lorsque je veux participer à une discussion, il faut que je me pose la question, est-ce que je suis compétent dans ce domaine? Est-ce que je vais apporter ma pierre à l'édifice? Est-ce que je vais apporter un plus, une valeur ajoutée, ou est-ce que je vais juste rallonger la longueur, mettre un message en plus? Et là, souvent, c'est un problème qui arrive, c'est que sous couvert d'anonymat, parce qu'on s'inscrit avec un pseudonyme, on se sent pousser des ailes. Personne ne connaît mon vrai nom, donc j'évite de me faire connaître, même si je peux parfois glisser et dire des bêtises. Parler, rentrer dans des sujets que je ne maîtrise pas ou dont j'ai une connaissance très limitée, juste pour peut-être parfois aussi l'ostentation pour montrer que j'ai quelque chose à apporter, alors que je ne cerne pas le problème comme il se doit, de manière correcte. Je ne connais pas tous les tenants aboutissants de l'histoire de ce sujet. Donc, lorsque je m'inscris sur un forum, lorsque je veux participer, il faut voir d'abord quel est l'intérêt du message. Est-ce que j'ai un intérêt réel? Est-ce que je vais apporter quelque chose de plus? Est-ce que je suis compétent dans ce domaine? Est-ce que mon message va être utile? Il va faire avancer les autres. Et donc, faire attention à ces pseudonymes qui parfois, on se dit, voilà, on a l'anonymat, il n'y a personne qui va me reconnaître, donc on peut un peu se laisser aller. Alors que si on écrivait avec son nom réel, on ne se serait jamais permis peut-être le quart des choses qu'on se permet avec un pseudonyme. Donc, faire attention à ce point-là. Ne pas non plus, et c'est le problème parfois lorsqu'on commence à surfer, je dirais à l'aveugle, c'est que on ne doit pas se croire à l'abri des tentations. Parfois, on surfe à gauche, à droite, sur tel site, ah, il y a une publicité, hop, etc. Donc, on peut très vite glisser. C'est pour ça que de l'importance de se fixer un objectif et de aller sur tel ou tel site pour trouver telle ou telle information et ne pas commencer donc à passer d'un site à l'autre. Il faut également, c'est important, réfléchir sur les conséquences du temps passé, si on utilise cet outil à mauvais escient, les conséquences que ça peut entraîner, provoquer. Je parle surtout là des sites interdits. Il faut savoir que Allah Azzawajal, qui nous a accordé ce bienfait, qui est le net, et également qui nous a accordé le bienfait de la vue, lui, Allah subhanahu wa ta'ala, nous voit en toutes circonstances. Je crois que les frères qui m'ont précédé ont dû parler beaucoup de ce sujet, ce qu'on appelle muraqaba, donc le fait qu'Allah Azzawajal nous voit sans cesse. Et pensez également, si tu te retrouvais dans cette situation, et les savants ont beaucoup parlé de. Ils ont énormément de paroles sur le fait d'obéir à Allah Azzawajal dans les moments où on est seul, de solitude, où il n'y a personne qui nous voit parmi les êtres humains. Ça, c'est là qu'on peut examiner réellement la force de la foi. Parce que lorsqu'on est entouré, bien sûr, on ne se permettrait jamais cela. Mais lorsqu'on se retrouve tout seul, que personne, aucun œil ne nous voit, ça, c'est un réel examen. C'est là un vrai test qu'on va passer. Est-ce qu'on a cette sincérité et cette force de foi qui fait qu'on ressente ce qu'on appelle le taqwa, qu'on ressent la surveillance constante d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui va faire qu'on va s'arrêter et ne pas oser transgresser les lois d'Allah azawajal, ou au contraire. Donc là, c'est un réel test. Et lorsque on a un moment de faiblesse, il faut se rappeler que
Que dirait-on si les gens nous voyaient dans cet état, dans cette situation, par exemple devant l'interdit? Et également que le jour du jugement dernier, Allah Azzawajal va nous juger devant les gens sur tel ou tel acte, alors qu'on en éprouverait une honte immense si les gens prenaient connaissance de ces situations où la personne s'adonne, par exemple, à l'interdit. Donc, ce sont des choses sur lesquelles il faut méditer. Et résister à la tentation, à la passion, surtout lorsqu'elle est très forte, si la personne, par crainte d'Allah Azzawajal, arrive à résister, à vaincre sa passion, cela lui procure un délice, une saveur qui est de loin supérieure à la saveur ou au délice à laquelle qu'il aurait ressenti s'il s'était adonné, s'il avait succombé à la tentation. Et ici, je voudrais lire une parole de l'imam Ibn Jawzi, rahimahullah, qui dit que dans le fait de pouvoir vaincre la passion, il y a là une saveur qui dépasse toutes les saveurs. Et il dit, ne vois-tu pas que la personne qui s'adonne, qui succombe à ses passions, comment il est humilié par la suite, car il s'est fait vaincre. Contrairement à celui qui a vaincu sa passion, celui-là, c'est lui qui en ressort gagnant et qui est fort, qui est réellement fort parce qu'il a réussi à vaincre sa passion. Et donc, quand je disais, il ne faut jamais se croire à l'abri, et souvent, lorsqu'on justement commence à surfer à gauche et à droite, on peut être devant des situations, on peut être confronté justement à des tentations. C'est pour ça l'importance également de bien se fixer cet objectif. Et il faut savoir que l'âme et les instincts, les désirs, les passions, on peut, par analogie, on peut faire ici une analogie avec la poudre à canon. La poudre à canon, si vous vous rapprochez avec des allumettes, des étincelles, du feu, ça risque d'exploser. C'est la même chose avec les désirs. Si, tant qu'ils ne sont pas attisés, tant que vous laissez à l'abri, loin de toute tentation, en général, vous allez être à l'abri. Mais si vous commencez à jouer avec le feu, vous risquez de vous brûler. Malgré cela, bien sûr, il peut, au détour d'un site ou autre, qu'on soit confronté à une image ou autre qui soit interdite. Et à ce moment-là, bien sûr, ce qu'il convient de faire, c'est ce qui nous a été légiféré dans le Coran, c'est baisser le regard. Raddul Basar, c'est ce qui est légiféré à ce moment-là. Tout à fait dans un autre sujet, le net également est un terrain très propice pour la propagation des rumeurs, ce qu'on appelle les isha'at. Et je crois que vous tous, si vous avez une boîte à messages, vous recevez de temps à autre des messages qui n'ont aucun fondement. Et ça fait des années parfois qu'il y a ces messages qui circulent et qui sont relayés. Et ce qui est plus triste, c'est qu'on constate que certains de nos frères nous envoient encore ce genre de messages. Alors que nous, en tant que musulmans, on ne devrait pas ignorer certains textes qui nous appellent à la vérification des informations et également, comme le dit le hadith, que la personne se rend coupable d'un péché en relayant, en parlant de tout ce qu'elle entend, il suffit à la personne comme mensonge de relayer toutes les paroles, toutes les infos qu'elle entend. Et donc, il est très très important de non seulement les messages qu'on reçoit, les nouvelles sur les sites, les infos, de être très prudent. Faut pas tout gober. Parfois, il y a des gens qui sont. Il faut savoir que les sites, voilà, sont accessibles à tout le monde, ou surtout les forums et les messages, etc. Ils sont accessibles à tout le monde. Il peut y avoir des gens carrément des ennemis, des gens qui ont des intentions mauvaises à l'égard de l'islam, qui prennent un pseudo-musulman et qui glissent des informations qui sont fausses pour essayer de semer la zizanie dans les rangs des musulmans. Il peut y avoir des gens qui sont musulmans mais qui sont pas lucides, pas perspicaces, qui prennent des infos à gauche et à droite et qui aiment ça, qui relaient toutes les informations parce que ça leur procure une certaine, ils ont des nouveautés,
des discussions qu'ils ouvrent, etc., pour voir le nombre de gens qui vont participer et autres. Donc, ce qu'on appelle le tathabout. Il faut faire très attention, vérifier, être donc très prudent lorsqu'on reçoit des informations, surtout lorsque celles-ci nous paraissent bizarres. Et il y a beaucoup de textes qui nous ont appelés à ce que j'ai cité, également dans le hadith où le prophète alayhi salam nous dit wa kariha lakum al-qila wal-qal. Allah Azzel, parmi les choses qu'il déteste, c'est al-qila wal-qal, donc le fait de ceci, celui-là a dit, l'autre a fait, l'autre de relayer, de rapporter comme ça, de colporter les rumeurs et les petites discussions qui s'entendent à gauche et à droite, souvent infondées, ou alors même si elles ont une base de vrai, mais elles sont extrapolées, exagérées. Au départ, il y a eu ce qu'on appelle en arabe min al-habbati qabba. Il y avait au départ, c'était minime, et puis on en a fait tout un foin, tout un plat. Ça, il y a des gens aussi qui sont spécialistes là-dedans. Et ici, je voudrais attirer votre attention sur un point qui est surtout lorsque ça touche les gens de science et les gens vertueux de cette communauté. C'est là, il faut encore être plus attentif et plus sur ses gardes. Pourquoi? Parce que des fois, ce qui arrive, un frère nous relaie une information. Puis lorsqu'on lui dit, Yahri, d'où tu as-tu, tu tiens cette information? Alors que, à première vue, ça nous paraît totalement impossible, improbable qu'une telle chose se soit dite ou passée. Il nous dit, oui, mais c'est quelqu'un de thiqa. C'est quelqu'un de confiance qui nous la rapporte. Mais ce que le frère oublie, c'est que ce n'est pas la seule condition que la personne soit de confiance. Même si on accepte que cette personne soit de confiance ou est de confiance, il faut également ce qu'on appelle voir si cette personne est quelqu'un qui comprend bien les choses, qui a bien assimilé, qui a bien compris cette nouvelle. Parce que ce qui arrive, c'est qu'on nous, parfois on peut citer par exemple une parole, mais elle est coupée de son contexte, elle est amputée de son contexte. Et la personne, effectivement, ne ment pas, il dit, regarde, c'est tiré de tel livre, c'est tiré, c'est une parole réelle qui m'a été transmise par quelqu'un de confiance. Mais quand vous examinez cette parole, vous renseignez, vous voyez que c'est une parole qui a été amputée de tout son contexte, de ce qui précède, de ce qui vient après, etc. Et donc, on fait dire à la personne tout à fait autre chose que ce qu'elle a voulu dire. Sans parler du fait que, ici, en tant que musulman, on se doit d'avoir ce qu'on appelle une bonne opinion de ses frères, que dire des gens de confiance, des gens de science. Et ne pas, au contraire, on doit être les premiers normalement à démentir ce genre de propos. Surtout lorsque ce sont des propos qu'on voit souvent qui ne tiennent pas du tout la route. Donc, ne pas seulement parce qu'une personne est une personne de confiance, accepter, gober tout ce qu'elle nous apporte. Et en plus de ça, souvent, il se peut que cette personne soit une personne peut-être qui ne mente pas, mais elle a par exemple un esprit partisan. Elle est dans un groupe ou dans une association ou autre qui fait qu'il y a une certaine animosité, concurrence avec tel autre groupe, qui fait qu'elle est encline à comment dire, à aviver ce genre de paroles ambiguës pour essayer justement de dénigrer en quelque sorte l'autre personne, l'autre partie. Donc ici, les gens peuvent avoir différentes intentions, il faut être très prudent avec ce genre de paroles de rumeur. Également, ce qui se passe souvent, c'est que la personne, elle peut être de confiance, mais ne comprend pas cette parole, parce qu'elle n'a pas les outils pour la comprendre. Et je me souviendrai toujours de quelqu'un qui avait été un jour assisté à une khutbah. Et son arabe était très faible, comprenait un peu d'arabe. Et en fait, il est sorti de la khutba vraiment en fulminant. Ouais, tu sais ce qu'il a dit, le cheikh, vraiment, c'est catastrophique, c'est grave, etc. Il a dit. Et en fait, après vérification, il a compris tout à fait le contraire. Le cheikh avait dit exactement le contraire de ce qui avait été dit. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas les outils. Il a mal compris la parole. Ou il se peut, il y a eu du bruit,
etc. Et les gens, au lieu de vérifier après l'information, voir si sa compréhension était juste, qu'est-ce qu'il a fait? Il est sorti, il a commencé. Ouais, c'est incroyable, pourquoi il dit ça? C'est une grave erreur, etc., etc. Chargé à fulminer contre la personne, le khatib, qui a fait la khutba. Donc, parfois, la personne ne comprend pas, il n'a pas les outils nécessaires, les outils scientifiques pour comprendre cette parole. Et il s'avance alors qu'il n'a pas, il n'a pas assimilé cette parole, par manque de connaissances. Et le poète arabe, dans une parole que j'aime beaucoup, il dit « Wa kam min a'ibin qawlan sahihan wa afatuhu min al-fahmi saqimi » Il y a combien de gens qui condamnent une parole correcte, juste, alors que, justement, le défaut provient d'où? De sa mauvaise compréhension à lui. La parole est juste, mais c'est lui qui comprend mal la parole. De plus, par rapport à l'esprit partisan, une autre parole, très belle parole de sagesse en arabe dit « Wa aynu rida an kulli aibin kalilatun ». Il dit l'œil, justement, lorsque c'est quelqu'un de notre groupe ou de notre parti ou de notre mouvement, on a tendance à minimiser ses erreurs. On dit, ouais, mais tu sais, là, on lui trouve 10 000 excuses. Tu sais, sûrement, il a ceci, il a, etc., c'est pas grave. Ou lui, il a une bonne intention, il n'a pas voulu dire ça parce que c'est quelqu'un de correct, etc. On lui trouve 36 000 excuses. Mais lorsque c'est l'autre partie, la deuxième partie de ce vers, Kama ana ayn sakhati tubdil masawiya. Il dit, par contre, l'œil, qui voit les choses de manière négative, avec un mauvais soupçon, une mauvaise opinion de ses frères, il a tendance à amplifier les défauts. C'est-à-dire que là, justement, il va plus être comme avec le premier. Il va dire, non, non, toi, tu es trop gentil, tu es un bisounours, tu crois, tu donnes toujours, non, c'est un ennemi de la sunna, c'est un ennemi de ceci, tu sais, tu le connais pas, c'est très grave, etc. Alors lui, de là, il n'y a plus d'excuses qui comptent. Le premier, c'était pas grave. Alors que parfois, c'est la même parole. Mais le premier, allez, le deuxième, on n'a pas de pitié pour lui. Dans cette communauté, si beaucoup de problèmes, justement, apparaissent à cause du fait que les gens qui n'ont pas les outils, qui n'ont pas les connaissances nécessaires, s'avancent dans des sujets. Comme a dit une parole qui est rapportée, il dit. Si les gens qui n'avaient pas la connaissance se taisaient, il y aurait beaucoup moins de divergences. Et c'est vrai. Pourquoi? Ce qui amplifie souvent la divergence, ce sont les gens qui n'y connaissent rien ou qui ont une vision partielle et qui s'avancent dans beaucoup de sujets qui les dépassent complètement. Et avec ça, ils ne font qu'amplifier ou raviver la zizanie et les disputes et les divergences. Donc, il est important ici que la personne sache s'arrêter. Je l'ai déjà dit, c'est très très important, je répète, on a deux oreilles et une seule langue. C'est très important, et surtout pour les gens qui sont. La jeunesse, souvent aussi, on a beaucoup de fous, beaucoup d'enthousiasme. Mais souvent, parfois avec la maturité, quand on vieillit, on regarde en arrière et on regrette certaines de ses paroles et certains de ses gestes. Parce qu'on a mûri, on a plus de connaissances, l'horizon s'est élargi. Et quand on regarde en arrière, on aimerait dire à ce jeune, mais tais-toi, ferme ta bouche. Pourquoi tu t'impliques? Tu n'as pas d'outils, tu es un jeune ignorant. Pourquoi tu t'avançais? Donc, faire attention lorsque souvent l'enthousiasme, la fougue de la jeunesse fait que parfois on est amené à dire ou à faire des choses qu'on peut regretter par la suite. Donc, ne pas s'empresser, ne pas se hâter, se précipiter, surtout à donner des jugements par rapport aux autres. Et une chose importante est que il faut pas toujours vouloir donner son avis sur chaque chose. Le silence est d'or. C'est vrai, le silence est d'or. Le prophète s'assemble entraînait souvent de longs silences. Et souvent, lorsqu'on n'a pas quelque chose d'utile à dire, il vaut mieux se taire. Aujourd'hui, on dirait que tout le monde veut donner toujours son avis sur tous les sujets. On a 36 000 spécialistes. Dans toute assemblée, tu parles de n'importe quel sujet, tout le monde donne son avis. Comme tu parles de science, peut-être la personne n'a jamais lu une page dans ce sujet, mais il donne son avis. Tu parles de plomberie, tu parles de mécanique, tu parles de tout. Parfois l'expérience, parfois ça me sidère. Et chacun, non, il vaudrait mieux que tu fasses ci, il fait ça, il le ferait, il connaît rien du tout dans ce sujet.
Ah, tais-toi, subhanallah. Il n'y a pas de honte à ça. Tu ne connais pas, tu ne connais pas. Parle d'une chose que tu connais. Spécialise-toi dans une chose et là, tu peux apporter ta pierre à l'édifice. Mais pourquoi vouloir toujours avoir un avis sur chaque chose? Et surtout dans la religion. Tu ne connais pas, tu ne connais pas. Il n'y a pas de honte à être ignorant. À dire, je suis ignorant, je ne connais pas. On voit des sommités. Ils sont les premiers à dire, la alim, Allah alim, la adri, je ne sais pas. Et puis, ça s'arrête là. Au contraire, chez les gens de vertueux, ces gens-là, ça leur donne encore plus de prestige. Parce que c'est la crainte d'Allah qui fait qu'ils s'arrêtent là où ils ne savent pas, ils ne s'avancent pas. Donc, il ne faut pas toujours avoir un avis sur chaque chose. De plus, pas tout ce qui se sait se dit, et surtout dans n'importe quelle circonstance et à n'importe qui. Il y a des fois des choses que tu sais, mais tu te tais, parce qu'il n'y a aucun intérêt à le dire. Ou au contraire, tu sais qu'en disant cette chose, tu vas peut-être. Les conséquences seront néfastes. Donc à ce moment-là également, même si toi tu sais, mais tais-toi, parce qu'il n'y a absolument aucun intérêt à parler. Aussi, souvent la précipitation, on se précipite. On ne prend pas le temps de laisser mûrir la chose, de voir clair, d'aborder la chose sous un angle global. Et en arabe, il est dit « el-khata'u zadul ajoul ». Il dit l'erreur ou la précipitation est synonyme d'erreur. « Al-ajalatu min ash-shaytan » dans le hadith. La précipitation vient de shaytan. Donc, cette précipitation aussi, c'est une chose qui fait glisser beaucoup de gens. Prendre son temps. Ne pas s'empresser. Et même si tu ne donnes pas d'avis, souvent, il n'y a aucun problème. Si c'est quelque chose qui est clairement établi, une chose que tu sais de manière certaine, par exemple quelqu'un qui te dit qu'il ne faut pas prier en islam, ou on peut boire de l'alcool en islam, des choses comme ça, oui, là, vas-y, parce que c'est des choses qui sont connues de tous. Mais dans des choses que tu ne maîtrises pas, même si tu ne donnes pas ton avis, tu ne seras pas responsable devant Allah Azzawajal de t'être tu, parce que tu ne maîtrises pas la chose. Laisse cela aux gens qui ont les compétences. Ou apprends, renseigne-toi. Ça, c'est la meilleure démarche. Renseigne-toi, apprends. Et ensuite, là, à ce moment-là, tu peux éclairer les gens. Également, sur le net, ce qui se passe souvent lorsqu'on participe à des forums, c'est qu'il y a un manque de mesure, un manque de tempérance, un manque de bon comportement. Souvent, entre nous, on ne sait pas parler convenablement. Il suffit. On comprend une parole un peu de travers, etc. Directement, on rentre dedans. Avec rudesse, mauvais soupçons, etc. On noircit les propos avec des propos qui peuvent blesser l'autre. On répond avec des propos qui peuvent blesser l'autre. Pourquoi cela? Est-ce qu'on est venu là pour passer du temps? On est entre ennemis ou au contraire, on est entre frères dans un esprit de fraternité pour essayer d'avancer ensemble? Si on est là pour venir boxer, pour venir, etc. Oui, alors choisis un autre endroit. Va faire du sport ou à la limite. Mais tu es dans un forum islamique ou tu es dans un truc comme ça. Parle comme il se doit. Apprends à parler convenablement. Bien sûr, mais ça, c'est un autre problème qu'on a, c'est que même lorsqu'on parle entre nous dans les assemblées, parfois on ne sait pas parler convenablement. On ne fait pas attention, on blesse l'autre par nos paroles. Ou al-musliman salim al-muslimun min yadihi wa lisani. D'ailleurs, c'est une conférence aussi qui me tient à cœur. C'est le fait comment est-ce qu'on doit parler entre nous? Souvent, l'extérieur, la société dans laquelle on a grandi, une société où il y a une certaine rudesse dans les propos, etc. Mais une fois que, alhamdoulilah, on connaît l'islam, on pratique l'islam, il faut faire attention à la langue. À comment, à la manière dont on parle, on s'adresse aux gens. C'est ton frère en islam. Tu dis assalamu alaykum. Tu appelles pour lui assalam, qu'il soit préservé de tout mal. Et pourquoi toi, tu es le premier à ta langue à blesser les gens et avoir une certaine méchanceté dans les propos. Donc, savoir comment parler, savoir comment rédiger un message. Et même si tu as une divergence avec quelqu'un, pourquoi devenir. Insolent, insultant. Le prophète alayhi n'était jamais vulgaire, quoi qu'il se passe. Des gens lui ont fait du mal, mais il ne s'est pas rabaissé à la vulgarité.
Donc réponds avec connaissance, réponds avec science, mais ne sois pas vulgaire, ne sois pas, conserve ton calme, contrôle-toi et observe toujours les règles de bienséance. Évitez également l'exagération. L'exagération dans l'admiration ou dans le dénigrement. Et ça, c'est un point qu'on observe. Parfois, j'appelle ça la bourse. La bourse des savants. C'est-à-dire que c'est un peu comme les actions en bourse, ça monte et ça descend. Hier, c'était le grand savant, la sommité, le docteur en arabe, etc. On disait des superlatifs. Et 3 jours plus tard, on lui laisse rien du tout. Ou au contraire, quelqu'un qui était méconnu hier, et il a eu certaines paroles, certains propos qui confortent ta manière de voir les choses. Et c'est parti. Al-allama. Al-wahid al-asrihi. Al-muhaddith. Al-mujahid. Et j'en passe des meilleurs. Alors qu'hier, tu ne le connaissais pas. Il a eu deux, trois propos qui te confortent. Et c'est parti. Les fleurs et les fleurs. Pourquoi cette exagération? Et peut-être le pire, c'est que 15 jours plus tard, on fait marche arrière. Il est plus qu'il était au début, plus qu'inconnu, il est le shaitan, le ceci et le ceci. Cette exagération dans l'amour qu'on attache aux gens, il faut être mesuré dans cet amour. On aime pour Allah Azzawajal et on déteste pour Allah Azzawajal, mais. De nouveau, ça rentre dans cette précipitation. Harry, respecte les gens, respecte tout le monde, comme il se doit. Mais n'exagère pas ni dans les louanges, ni parce que tu sais pas, du jour au lendemain, peut-être que tu verras plus clair et tu verras pourquoi tu as tant exagéré. Donc, éviter cette exagération. Pour gagner des hasanats sur Internet, il y a beaucoup aussi de portes. Il faut rien minimiser. Par exemple, si toi, tu n'as pas de connaissances pour participer, ce que tu peux faire, par exemple, c'est très simple. C'est, tu vois qu'il y a une telle conférence dans ta mosquée, dans autre. Va, par exemple, sur les forums et tu annonces cette conférence. Imagine, il y a 10, 15 personnes qui, par l'intermédiaire de tes messages, viennent voir cette conférence ou y assistent. Le nombre de hasanats que ça peut te rapporter. Pourtant, ça te prend 5-10 minutes d'annoncer, par exemple, cette conférence, cet événement. Sur Internet. Il y a beaucoup, beaucoup de moyens de, par exemple, tu rappelles un hadith, tu rappelles une formule de dhikr, tu rappelles une belle parole, une parole utile, bénéfique. Tout ça, ce sont des choses qui peuvent te rapporter beaucoup de hasanat de laquelle les gens peuvent tirer profit. Donc, il faut rien minimiser, dire moi je n'ai pas, donc je ne fais rien. Non, tu peux participer, faire avancer la communauté. Et toi-même gagner beaucoup de hasanat, parfois en faisant des gestes très simples. Les frères également m'ont demandé de parler un petit peu de ce qu'on appelle le pal talk. Le pal talk, pour ceux qui ne connaissent pas, ce sont des sortes de salons. À la différence de l'Internet, bon, il y a moyen d'écrire, mais c'est surtout audio. Et n'importe qui peut ouvrir un salon sur un sujet quelconque. Dans tout ce que tu veux, et lancer soit un cours, soit mettre une cassette, soit toi parler, ou inviter quelqu'un qui parle, etc. Donc c'est quelque chose d'oral, et toutes les personnes qui rentrent dans ce salon écoutent ce que la personne ou ce qui est diffusé dans ce salon. Le pal talk, donc, effectivement, c'est aussi quelque chose qui peut être très très bénéfique. Par exemple, il y a certaines personnes de science qui ont des salons. Dans lequel leurs cours sont retransmis. Donc là, c'est en direct parfois. Donc là, il y a un très grand profit. Par contre, de nouveau, il y a, et comme les paroles coulent plus vite que l'écrit, il y a aussi des catastrophes. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui ne sont pas compétents, qui ont envie, peut-être, je ne sais pas, de se montrer. Comme on dit, le fait de vouloir se montrer à tout prix, ça brise le dos. Il y a cette rime en arabe. Et des gens voilà, qui veulent à tout prix, comme on dit, faire avancer le schmilblick, et qui ouvrent un salon
parfois ils ont rien à vraiment apporter, ou au contraire, parfois ils se sont pris dans l'enthousiasme et ils commencent à raconter des bêtises, parce qu'ils n'ont pas les outils. Et donc ce pal talk, à nouveau, il faut bien, c'est de nouveau une question de choix, de sélection. Et je connais personnellement des frères qui ont passé parfois des heures et des nuits dans ces salons et qui l'ont regretté amèrement, sans bien sûr parler de l'autre problème, qui est le fait que souvent ces salons sont mixtes et que parfois il y a des familiarités qui s'installent. Et bien sûr, il y a de nouveau le problème du pseudonyme. Et donc, de nouveau, là, il y a parfois des dérapages qui s'installent dans ce genre de salon. Donc, à nouveau, il convient d'être très prudent. C'est un outil qui peut être très bénéfique, mais de nouveau, la sélection, savoir où s'arrêter, ne pas commencer à se lancer dans des familiarités avec des sereaux, parce qu'il y a eu, d'après ce qu'on me raconte, il y a eu parfois des sérieux problèmes qui ont été engendrés justement par ce genre de salon, etc., les connaissances, etc. Donc, à nouveau, c'est quelque chose qui peut être très utile, mais il convient de bien sélectionner, de se faire un programme, un agenda tel jour. Par exemple, il y a telle personne de science qui donne tel cours, tel jour, il y a ceci. Savoir les salons qui sont vraiment bénéfiques et s'y tenir. Ne pas commencer à rentrer à gauche, à droite, et après ça, on passe toute la nuit, et juste avant Salat al-Fajr, on va dormir, et vous connaissez le résultat. Voilà pour l'Internet. Ce que je conseille également, c'est un petit truc simple, mais vous savez qu'il y a un outil qui existe, qui sont les favoris. Donc, lorsque vous repérez, pour ne pas justement perdre de temps, lorsque vous repérez un site qui est très utile, il suffit d'un clic et vous le mettez dans vos favoris. Donc, à chaque fois, de temps en temps, quand vous voulez y avoir accès, vous avez déjà votre liste de favoris et vous pouvez consulter directement en un simple clic, avoir accès à ce site. Par rapport au téléphone portable, pour faire vite, comme ça on a la deuxième mi-temps de Real Madrid-Liverpool. Donc, le téléphone portable, c'est bien sûr aussi un immense bienfait qui peut même aller jusqu'à sauver des vies, des personnes qui parfois se trouvent dans une situation où avant, ben, il y a personne les entendait, etc. Parfois maintenant, en appelant, on peut avoir, comment dire, appeler quelqu'un qui peut venir pour nous aider, etc. Donc c'est vraiment un bienfait immense. Ça permet de gagner un temps fou également, d'éviter parfois de se déplacer pour rien et autres. C'est un très grand bienfait. Mais ici, faire attention aux abus. C'est-à-dire qu'il y a des gens maintenant qui passent des heures et des heures, si ce n'est pas sur les SMS, les messages, c'est au téléphone, avec parfois même des conséquences financières, hein, qui se retrouvent à la fin du mois parfois avec des sommes à payer astronomiques. Et donc il faut faire attention au temps qu'on passe en utilisant ce genre d'appareil. Si on téléphone, on l'utilise à bon escient, on fait l'appel qu'on doit sans commencer non plus à appeler du matin au soir telle copine, tel ami, etc. et passer des heures et des heures en train de communiquer. Parce que souvent également, ce qui se passe, c'est que toi, tu as peut-être du temps à perdre, mais la personne que tu appelles n'en a peut-être pas. Et alors on t'appelle, ça va mon frère, etc. Qu'est-ce que tu fais? Et ceci, et telle question, et tel sujet, et tel autre, etc. Alors que le frère, parfois, n'a pas envie peut-être de brusquer, mais il a des choses à faire. Et toi, tu en rajoutes. Pour toi, tu crois que le frère, il est comme toi, il a 2, 3 heures devant lui et il est là dans son salon avec le temps devant lui, alors que c'est pas le cas. Il a des choses à faire. Également, choisir le moment adéquat pour appeler. Toi, tu ne dors pas. Tu es avec les frères en train de discuter à minuit, 1 heure en été. Tiens, on a un sujet. Tiens, on va appeler tel frère, le conférencier, là, viens, on va l'appeler. T'as son truc? Ah, oui, allô? Ouais, ça, moi, frère, j'ai une question à te poser. Attends, mais il est 1 heure du matin, frère. Ah ouais, mais c'est parce que nous, on dormait pas, la Isha était tard, non? On croyait que. Ouais, mais ouais, la Isha, il était il y a 1 heure et demie, tu vois? Donc là, faire attention au moment adéquat à appeler, ne pas déranger à des moments qui sont inopportuns. Également, ne pas mettre les gens à qui tu téléphones dans une situation gênante. Ici aussi, il y a des spécialistes. Le frère, tu l'as rencontré peut-être une fois ou deux dans ta vie et t'appelle. Allô? Salam alaikum. Comme ça. Tu me reconnais pas? Non? Mohamed. Mohamed. Ah ouais, tu sais, j'en connais 500 des Mohamed. Tu vois? Et il est là. Et puis, comment tu me reconnais pas? T'as pas enregistré mon numéro dans tes contacts?
etc. Il commence presque à te blâmer, etc. parce que t'as pas enregistré. Ah, je t'ai connu une fois ou deux. On n'a pas de. Pourquoi je devrais te mettre dans les contacts? Si je dois mettre tous les gens qui m'appellent dans les contacts, j'ai une liste de. Tu peux avoir une liste interminable. Donc parfois là, il y a des gens, ou alors des gens directement. Salam alaikum. Ouais, dis tout à l'heure ou hier. À qui ai-je l'honneur? Ouais, c'est Mohamed. Ouais, bon, présente-toi. Ça fait partie de la sunna. Exemple, quand tu toques à une porte, dans la sunna, c'est pas de dire, ouais, c'est moi. Un jour, dans le hadith, un homme est venu, il a toqué chez le prophète, alayhi salatu wassalam. Et quand il a demandé c'est qui, il a dit, Anna. Et le prophète s'assume de dire, Anna, Anna. Ça n'avance en rien, Anna. C'est qui, moi? Moi, c'est n'importe qui. Dis ton nom. Ton nom, et si tu sais qu'il peut avoir un nom, dis ton nom et ton nom de famille. C'est un tel, un tel. Comme ça, personne ne sait à qui il a affaire. Également, il convient de se montrer indulgent. Des fois, la personne, peut-être, ne t'accueille pas au téléphone comme il se doit parce qu'il est peut-être dans un endroit qui ne lui permet pas. Peut-être déjà, il a fait un effort pour prendre la conversation, l'appel, mais il est peut-être dans un endroit, je ne sais pas moi, où la situation ne lui permet pas de te parler à voix forte ou autre, où il doit abréger la conversation. Il ne faut pas le prendre mal. Mais bien sûr, il convient à celui à qui est appelé de également expliquer ça. Écoute, je suis dans un endroit maintenant, si tu veux bien me rappeler plus tard, etc., parce que je ne peux pas te recevoir. Il ne faut pas que la personne se sente vexée, l'autre qui appelle. Pourquoi chacun a ses excuses, chacun peut être dans une situation où au moment tu n'es pas prêt à parler à la personne. Donc il faut faire preuve d'indulgence des deux côtés. Également, les spécialistes, ceux qui changent de numéro toutes les semaines. Tu as besoin du frère, tu l'appelles. Ce numéro n'est pas, comment dire, la formule consacrée n'a pu être atteint. Après, qu'est-ce qui se passe? J'ai changé de numéro, changé d'opérateur. Toutes les 2 semaines, il change d'opérateur. C'est comme un poisson qui glisse, tu n'arrives jamais à l'attraper. Ou alors des gens qui ont des GSM qui répondent jamais. Donc ici, il faut un juste mieux. Si tu as donné un numéro, il répond. Au moins, je veux bien. Bon, un jour, tu ne peux pas répondre, mais tu l'appelles pendant 15 jours, 3 semaines, il ne répond pas. Il est toujours aux abonnés absents. Donc ici, changer toujours de numéro également, ça peut mettre les gens dans la gêne. Parce que toi, tu as par exemple quelque chose, tu avais convenu avec ce frère. Tel ou tel projet où tu allais, tu sais. Puis quand il appelle, tu vois qu'il a changé de numéro, il n'y a pas moyen de son numéro. Bon, des fois, des accidents arrivent, on peut, je ne dis pas que ça peut arriver, qu'on doit changer de numéro, mais il y a des spécialistes. On dirait qu'ils changent de numéro comme ils changent de vêtements. Ça peut poser également être une gêne et un désagrément pour les autres. Dans la mosquée, lorsqu'on rentre dans la mosquée, le vibreur. Faire attention, s'il vous plaît, ne pas oublier les portables donc allumés lorsqu'on se rend dans une mosquée. Et surtout, ce qui a transformé parfois les mosquées en discothèques, les sonneries avec des mélodies musicales. À gauche, telle mélodie, ça se termine. 2 secondes plus tard, il y a l'autre mélodie qui commence à droite. On dirait une symphonie. Pour finir, tu es dans la prière et les mélodies musicales qui partent de tous les côtés. Et au niveau ici, si cela arrive, si la personne a oublié de mettre son portable sur vibreur, qu'il l'éteigne. Il y en a, il le laisse pendant 5 minutes. Peut-être qu'il se dit, si je ne peux pas l'allumer, je suis dans la prière. Ah, au contraire, là, tu déranges ta propre concentration, tu déranges toute la mosquée, les gens, ils t'en veulent. Non, et si c'est permis, si c'est, comment dire, un mouvement pour qu'on les maslahat et salah, donc pour ne pas déranger tout le monde, appuie sur la touche pour éteindre ton GSM. Ne le laisse pas encore sonner pendant la prière. Bien sûr, un oubli peut arriver à tout le monde, donc il ne faut pas non plus commencer à être trop virulent. Et si une personne un jour a oublié son GSM allumé, commencer non plus directement après la prière, ah, qu'est-ce que tu fais? Hein, le descendre en flamme. Vous connaissez tous le hadith où le bédouin a uriné dans la mosquée et le prophète alayhi salam s'est montré avec lui indulgent et doux. Il a dit verser un seau d'eau sur l'endroit où il a uriné, et c'est tout. Il lui a expliqué. Hein, il n'a pas été virulent avec lui. Donc ça peut arriver à tout le monde un oubli. Donc il ne faut pas non plus être trop virulent dans la réprimande. Également, lorsqu'on est dans un cours ou une assemblée sérieuse, où il y a une discussion suivie et sérieuse, il convient d'éteindre ou de mettre, même d'éteindre là, son portable. C'est parce que c'est un manque de respect. Tu es dans une discussion sérieuse, les gens sont autour d'une table, tu es dans un cours ou une conférence. Et une personne qui sort, et ouais, attends, je sors.
dans toute la salle. C'est un manque de respect pour celui qui parle, pour les gens avec qui tu es assis, pour toute l'assemblée. Également, le fait d'enregistrer la conversation. Il n'est pas autorisé d'enregistrer une conversation sans que la personne soit au courant et qu'il te le permette, qu'il l'autorise. Sinon, c'est une sorte de trahison. De quel droit tu enregistres ces propos? Surtout, bien sûr, si c'est dans une intention, une mauvaise intention que tu le fais. Mais si tu veux enregistrer ces propos, demande-lui la permission auparavant. Je parle à certains qui enregistrent automatiquement, par exemple, ils vont appeler quelqu'un pour poser une question, et ils enregistrent sans que la personne soit au courant. Non, demande, est-ce que je peux, est-ce qu'il m'est, tu m'autorises à enregistrer auparavant? Ou ceux qui mettent, par exemple, la conversation en haut-parleur. Et tout le monde entend. Non, Harry, téléphone-toi, demande si tu peux mettre le haut-parleur pour que tout le monde entende. Si la personne l'autorise, il n'y a aucun problème. Ne pas laisser son, faire attention à ne pas laisser son portable traîner n'importe où. Pourquoi? Parce qu'il y a des enfants qui peuvent, ou des personnes qui sont curieuses, qui peuvent tomber dessus, qui peuvent peut-être regarder les messages, qui peuvent, ou les enfants qui appellent, etc. Donc, on peut avoir ici de mauvaises surprises. Les portables qui sont équipés d'appareils photo. Et ici, surtout pour les femmes, il convient d'être très très prudent. Surtout lors des mounasabat, quand il y a les mariages, etc. Où parfois la femme est habillée d'une certaine manière, et il se peut que des femmes qui n'ont pas cette présence d'esprit, cette conscience, commencent à filmer. Et ensuite, le GSM traîne, il passe de main en main chez des gens qui n'ont pas toujours de bonnes intentions, qui ne sont pas des gens qui craignent Allah Azzawajal. Et le pire, c'est qu'il peut y avoir un mauvais usage qui soit fait, par exemple, de ces images, de ces photos. Donc imagine si ça arriverait à ta propre famille, c'est quelque chose, bien sûr, de catastrophique, de désastreux. Donc il convient l'idéal, c'est de ne pas laisser filmer dans les cérémonies, ou alors vraiment de gens de confiance, etc. Ou même si la femme sait qu'il y a des doutes, qu'elle conserve un habit je veux dire, qu'elle se préserve. Parce que le problème, il y a parfois même des photos après qui circulent sur le net, etc. De personnes qui normalement donc s'habillent d'une certaine manière, et lorsqu'elles sont bien sûr dans un mariage, des images qui circulent. Donc faire très attention à ce niveau-là, aux GSM qui sont équipés d'appareils photo. Les rumeurs sur SMS, on en a parlé lors des messages électroniques. Le dernier en date qui m'a fait sourire, c'est le samedi matin. Première heure. Aujourd'hui, Lidl et Aldi vont reverser leurs bénéfices. L'Allemagne, voilà, le gouvernement allemand, c'est vraiment, c'était fort. Le gouvernement allemand a fait pression sur Aldi et Lidl. Ils vont reverser tous les bénéfices à l'armée sioniste. Premièrement, comment le gouvernement allemand va faire pression sur des entreprises privées? Et ça se sort. En plus de ça, Lidl est Allez, on sait qu'il y a je sais pas combien de millions de musulmans, et surtout que les musulmans sont des bons clients du Lidl, et ils vont aller se suicider, ils vont se tirer une balle dans le pied en allant redistribuer les bénéfices. C'est des choses qui ne tiennent pas debout. Et malheureusement, et le frère qui m'a envoyé ça, en plus il a fait une... Bon, je lui ai demandé, je lui ai dit, d'où tu tiens ça? Il faut juste lui donner une petite éducation, lui. Et il a voulu faire, je sais pas, une blague ou quoi, il m'a dit, Cora et GB. La concurrence qui ont inventé ça. Pourquoi tu envoies ce genre de. Je toute personne qui a un minimum de bon sens, il sent là qu'il y a anguille sous roche, que ça tient pas la route. Également, prendre en compte la sensibilité de la personne à qui. Surtout si c'est un message, un envoi groupé. Il ne convient pas d'envoyer un même message à tout le monde. Tu as peut-être des gens qui sont plus âgés, des destinataires qui sont. Des gens de différentes. Peut-être ils risquent de mal comprendre, mal interpréter ton message. Tu peux blaguer, par exemple, avec une personne, adopter un certain ton avec une personne, mais l'autre personne, il n'a pas dans le sens de l'humour, il peut peut-être mal le prendre comme une. Etc. Donc, il faut faire attention quand on fait des envois groupés. Il y a différentes sensibilités chez les gens. Il y a certains frères, tu sais, que tu as certaines familiarités, certaines gens, tu peux envoyer un certain type de message, adopter un certain ton avec eux, d'autres, ça ne convient pas. Donc, il faut faire attention à ça. Également, ne pas, et on va clôturer là-dessus, Inch'Allah, ne pas
prendre le portable comme un jouet. Tu en as certains, ils sont dans le truc, et pendant toute la truc, ils sont en train de jouer avec le portable. Il y en a certains, c'était le subha. Il jouait avec le subha, et maintenant, il y en a certains, c'est le portable. Il est là, il le tourne sur la table, il le regarde, il le tourne, etc. Pendant toute la conversation, il est comme ça, et toi, il est en train de jouer avec toi, tu parles, etc. C'est un manque de trucs. Et dernièrement, faire attention également au. On a même plus une minute, déjà. Également, faire attention à l'ostentation. Il y a les spécialistes, ceux qui changent de numéro toutes les semaines, il y a ceux qui changent de GSM toutes les semaines. Et il fait attention à bien le montrer, mettre en valeur, à parader avec. Allez, j'ai le dernier modèle. Et donc, il n'arrête pas dessus comme ça, et bien sûr, de se montrer, faire attention. Donc, quel est le but? Est-ce que c'est là-dedans l'ostentation de. Parce qu'un nouveau GSM est commencé à Nice, ça montre une certaine petitesse d'esprit. Wallahu ta'ala alam. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين